salut tout le monde, c'est Marty et on est parti tous ensemble pour une nouvelle vidéo La Bande à Pixels et aujourd'hui on va parler botanique et écologie, vous allez voir pourquoi. Allez, on démarre sans plus attendre cette petite vidéo, vous allez voir c'est très court mais c'est histoire de se mettre un petit peu en jambe avec donc le Plante versus Zombie qui ce mois d'août 2021 est gratuit sur le PS Store, donc vous allez pouvoir choper si c'est pas déjà fait. Ce petit jeu très sympa, pour ceux qui connaissent, c'était déjà sur smartphone il y a un petit moment, je vais pas trop nous vieillir, nous les geeks, mais je pense que c'était il y a plus de 10 ans et c'était quand même un super bon jeu. Alors là pour le coup ils ont fait une vraie transition 3D, c'est plus du tout le même délire, mais on a toujours ces skins rigolos. Donc voilà, vous voyez le petit colonel Mabel, on a toujours ces petits skins rigolos de fleurs, de plantes marrants contre les zombies qui sont assez cartoonesques. Et ensemble on va faire en fait la mission un peu tuto, qui est finalement la première du jeu. Donc je vous laisse découvrir ça tout de suite. Voilà, tu prends ton beau camping-car et tu t'envoles, c'est très très logique. Comme vous voyez c'est complètement cartoonesque au niveau de l'univers, c'est ça qui est sympa. C'est très coloré aussi, et puis on débarque donc dans une ville qui est infestée de zombies avec notre petite plante verte toute mignonne, je sais plus son nom, mais voilà, vous avez des objectifs donc en haut à droite, avec des points d'exclamation sur la map, je vais aller vérifier ça de suite, parce que je découvre un peu en même temps que vous. Voilà, donc il y a des bots, apparemment des PNJ, quoi, qui vous balancent des quêtes. Placer un marqueur, ben voilà, on va pouvoir faire ça quand on veut. Important, les marqueurs c'est de la balle. Ok, donc les mecs ils se sont fait plaisir sur les commentaires apparemment. Voilà, donc on a la petite map sympathique, donc banlieue excentrique. Nous on est à côté des collines du soleil apparemment. Je peux toucher un zombie à 3 mètres. Ok, ça c'est peut-être un prochain perso. Je viens de trouver un truc planqué apparemment. Un doré. Cool. Putain, première action du jeu, je me la pète. Je me gave en fait. Bon, c'est pas mal parti, on va voir s'il n'y a pas justement une quête à choper directement. Puisqu'il faut faire un rapport au colonel Mabel. Ah ben il est là. Il est là le petit colonel avec son flamant rose sur la tête, spécial dédicace à Hob. Nouvelle recrue. On vous mettrez pause hein, pour lire les dialogues. Mais apparemment le rythme du boogie, donc première mission, choper une tondeuse. 5000 pièces d'or, 10... Je sais pas ce que c'est, on dirait des petits... petits faritas ou des petits tacos là, je sais pas ce que c'est. De la bouffe en tout cas. Entrée dans le dôme. Je suis Colonel Mabel, bon pareil, hein, je vous les passe, on va faire rapido. Je vous récupère tout de suite après pour vraiment lancer la mission. Et ce coup-ci c'est parti pour de vrai, on arrête le pseudo menu, les bots. Cette fois-ci on rentre dans le vif du sujet, donc on a un objectif, hein, c'est je sais pas du tout où c'est, mais il faut aller. Une sorte de boîte de nuit. Alors j'essaie de voir un peu sur la map où est-ce que c'est. Je sais pas du tout en fait. Écoutez, vous savez quoi, on va se la faire à l'ancienne, on va aller nous-mêmes tout proche, entrer à l'intérieur. Bon. Alors à mon avis, il y a un marqueur comme c'est indiqué en haut à droite qui devrait nous guider. Ah, oh putain, tu es méchant. Un zombie avec une tronche en télé. D'où ça sort, là il y a un autre méchant là. Je bourrine. Ah non, flèche bleue, putain, c'est un allié. Je suis en train de faire le boulet là. Donc j'utilise une attaque spéciale, j'ai jamais testé encore. J'ai beaucoup de chargeurs mais je peux pas me déplacer. Quand je suis comme ça, je suis plus puissant mais je peux pas me déplacer. Donc là j'ai pété un shield apparemment. Oh, putain mais il m'a défoncé lui. Ah ouais c'est ça, c'est un allié, il est en train de défoncer les ennemis. Il vient vers moi, nickel. C'est assez bourrin quand même, c'est pas du tout Tiens pour tout ça toi. Alors il y a des tacos, il y a des pièces d'or, je suppose que c'est la monnaie du jeu. Voilà, on continue, vous avez vu qu'il y a le petit marqueur. Et on se fait infester de zombies. Alors je vous ai passé l'exploration des rues là, j'ai fait ça quelques minutes juste avant. Effectivement, donc on a à chaque fois différents styles de zombies quoi. Plus ou moins chaud à battre. Là il y a une espèce de zombie qui me fait du mal. Il s'est fait défoncer par mon pote. Là, il y a un autre pote. Old School est un gros nul, donc ça veut dire qu'il est avec nous, puisque Old School, il est gentil. C'est le méchant, pardon. Ça, c'est le bot qui fait le bouclier. Voilà, j'ai un deuxième poteau, les gars. Ça veut dire que j'ai une grosse team derrière moi.
Bon, volontairement, ça a l'air un petit peu fastoche parce qu'on est dans la mission genre tuto. Et vous pouvez voir que, bah voilà, en face de moi, il y a le marqueur qui va nous indiquer... Ah, mais je peux sprinter aussi, j'avais pas fait gaffe. Qui peut nous indiquer où est la suite de la mission. Ouais, ça se passe par là. Et des petits bâtards de zombies. Alors c'est marrant parce qu'ils ont respecté vachement bien le... Vous voyez, zombie avec le plot sur la tête, c'était vraiment dans les tout premiers jeux. C'était d'ailleurs... Il s'enflamme carrément le truc. C'était vraiment les des tout premiers skins à l'époque où ça sortait sur smartphone, quoi. Alors vers la porte secrète, ouais, bah voilà, donc l'objectif c'est le bot. On va voir ce qu'il nous dit. Videur robot. Ouais, les skins sont marrants quand même. Vous n'êtes ni zombie ni cool, dégagé. Ok, super sympa. Bon, on se barre. Ah, l'objectif a changé. Retournez voir le colonel Mabel, donc ça veut dire que... Il faut retourner... Ah putain, c'est fermé. Ouais, c'est pas par là du coup. Putain, en même temps j'ai voulu faire le malin, mais il y a le marqueur de l'autre côté. Donc... Bon, pour l'instant c'est vraiment juste histoire de se familiariser avec les commandes. Vous voyez en bas à droite que... Vous utilisez soit R1, soit L1, soit triangle, donc il y a trois types de tirs en fait, tout simplement. Bon allez, je vais explorer les égouts, je vous récupère dans quelques minutes. Voilà, j'ai mis 100 ans, mais j'ai retrouvé la sortie. Oh, ok. Apparemment, c'est une phase un peu... bourrin parce qu'il n'y avait pas ses ennemis tout à l'heure. Ouais, là c'est une sorte de petit boss léger quand même sur les ennemis. Tu vas prendre ça. Il est bien résistant au point de vie. Ah, et on a débloqué la fameuse tondeuse qu'on a vue en petit picto tout à l'heure. Et elle avance toute seule. Ok. Escorter la tondeuse. Ah, j'avais pas lu. Donc, nouvel objectif. D'accord. Donc, à tous les coups, on va se prendre des vagues d'ennemis, voilà, c'est ça. Oh, il y en a un plus balèze là-bas. Sincèrement, j'ai mis le mode normal, hein, j'ai pas mis facile. C'est déjà super easy, quoi. Je pense que volontairement, ils vont pas balancer une mission super hardcore au début, donc tout est fait pour vous faire kiffer un peu les premiers instants du jeu. En temps réel, ça doit faire même pas une demi-heure que je joue... sur la vidéo, vous voyez que ça fait 10 minutes qu'on est ensemble. Ah, des shields, ça commence à se corser un peu. Ouais. Après, il se trouve que j'ai des alliés, alors ils font beaucoup de dégâts. Petite mémé là, non, c'est un professeur zombie. Mémé zombie. Ouais, ils sont pas très forts, allez. Boum. Ah, j'ai pas pensé à réutiliser mon petit truc triangle. Carrément un lance-flamme, quoi. C'est super beau, hein, que tu... En fait, je fais rien et les persos tuent les bots, quoi. Bah voilà, ça pose bien tranquillement en train d'avancer. On passe dans le jardin. Non. Donc, la tondeuse, elle fait un peu sa vie, en fait. Hein. Il y a encore peut-être quelques ennemis. Battez-vous, messieurs. Petite grenade, tiens, sur les lins. Je me suis rendu compte que voilà, c'est une espèce de piment qui explose, là. Une graine chaude. Parce qu'il y a beaucoup de bouffe dans Plantes versus Zombies, en fait. Et du coup, il y a beaucoup aussi d'éléments liés aux plantes et donc aux légumes. C'est assez marrant. Putain, le soldat, il fait mal. Bon, il m'a enlevé pas mal de santé. Bon, la tondeuse, elle fait un peu sa life, quand même, hein. Ça y en est. Nous y voilà. Bon, bah, objectif réussi apparemment. Oh, c'était dur. Waouh. Franchement. Bon, moi, je vous conseille bien sûr de démarrer, de tester ce jeu qui est quand même très sympa. Mais c'est vrai que c'est pas. Vous n'allez pas être étouffé par la difficulté. Alors là, il nous file une autre mission, je suppose. Ils ont beaucoup aimé cette tondeuse. Il est temps de déclencher l'opération Relooking. Ok. Ah ok, trois objets récupérés. Ok, donc là je commence à capter que
la mission pour entrer, donc pour passer devant le bot qu'on a vu devant la boîte de nuit. Ça va se passer sur plusieurs missions. Mais écoutez, on va se retrouver d'ici très peu de temps, puisque je vais faire les autres missions pour vous montrer un peu le début du jeu. Et puis comme ça, on découvrira ensemble toute la première partie du jeu Plantes versus Zombies. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, mettre un petit like, partager. En tout cas, moi, c'était un plaisir de faire ça avec vous. Je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.